Yeah. Yeah. On fait comment? Aïe. C'est la même année qu'elle a. On dit Adama, Yakuba, Pharaon, Debona. Tu dis quoi? C'est comme ça. Et maintenant, Aïcha Tremblay. Tu connais t'as pas besoin de parler, yogo, yogo. Aïcha, tu fais quoi? Aïcha, tu bouges. Aïcha, tu fais quoi? Aïcha, tu bouges. Comment ça, comment tu bouges, Kondi? Aïcha, tu dis quoi? C'est comme ça qu'on bouge. Allez, tremble! Yakuba, on dit quoi? C'est comme ça. Pharaon, Debona, et puis Aïcha, tremble! Yakuba, Pharaon, Debona, tu dis quoi? C'est comme ça. Et maintenant, Aïcha Tremblay! Merci. Applaudissements pour eux. Aïcha, Naya, Naya, Aïcha, Naya, Naya, Naya. Sigriabe. Voilà. En tremble là dedans. Aïcha, Aïcha, trahi. On va se mettre là. Les gars, applaudissements pour eux. On a dit. J'ai dit. Aïcha a trahi la famille. Ah oui. Nous, on a vu le concept. Ah oui. Ma CP et moi, intervenir par on a porté le jaune, avec une anecdote. Le bleu. Aïcha vient en noir. Aïcha, on peut faire ça. J'allais. Alors, Asmao. Il y a quelqu'un qui parle du là ici. Asmao. J'allais en venir avec une anecdote. Voilà. J'allais en venir avec une anecdote. Uh-huh. Il s'agit d'un grand concert que Alpha Blondé avait prévu au stade Félix pour Fort Boyin. Uh-huh. Et il avait des druides qui étaient versés comme ça. Uh-huh. Donc tous les gars, même ceux qui n'avaient pas de druides, sont allés payer des mèches, ils ont collé tout ça. Uh-huh. Et quand on a annoncé Alpha Blondé, les sorties étaient cocotées. Ouais, donc... Alors... On veut trahir la famille comme ça. C'est Aïcha, c'est ça? Asita. Oui. Asita, oui. Demande à Aïcha, pourquoi aujourd'hui elle a porté habit noir? Aïcha, Anne Soroma. Comme mon habit, il m'a jaune bleu d'eau. Hein? Il m'a noir d'eau. Il dora noir. Fimant, voilà. Il m'a fimant d'eau. Feuille. Feuille. Elle dit rien. Rien. D'accord, juste comme ça. Elle a voulu changer le style. Qui? Vas-y. Lui demander, elle a voulu changer qui m'a fait qu'un style change, là? Hein? Qui m'a fait qu'un style change, qu'un habillement change? Ça va aller. Allez, DJ Domi, comment tu vas? Oui, ça va bien. Ça va bien? Oui, ça va. Alors, j'aimerais qu'on puisse quand même regarder un peu dans le rétroviseur. Avec l'aide de la régie, on va voir donc
un petit truc, parce que Domi était avec nous il y a quelques semaines de cela. Oui. Bah, on était loin de s'imaginer que les choses allaient aller très vite. Oui. Voyons voir ensemble. Merci beaucoup, les gars. Alors, DJ Domi, oui. Le titre que tu nous as présenté la dernière fois, c'est TikTok Cadeau. Cadeau. Ouais. TikTok. Est-ce que tu étais dans... Je vais la dire quoi, révélation. Dans la révélation. Dans la révélation. Parce que TikTok donne cadeau. Ouais. Tapoter. Envoyer les cadeaux. Yeah. Mais là, on se rend compte qu'en fait, à force de tapoter, partager, TikTok t'offre un gros cadeau par rapport à ce qui se passe en ce moment. Ouais. Hein? Le monde entier. Ouais. Est-ce que tu étais dans la révélation? Ah, vraiment, moi, je suis surpris. Hein. On n'a qu'à se dire la vérité. Bon. Je ne savais même pas que ça allait venir. Je ne savais pas. Là, tu prends ça comment? Ah. Le monde entier tremble, c'est Dieu. C'est Dieu. Ouais. C'est Dieu. Alors, pour la petite histoire, avec ton équipe, parce que tu n'étais pas seul. Non, j'étais pas seul. Vous êtes combien dans le groupe? Dans le groupe, en grosso modo, on est... 5. On était 6, il y a le grand frère qui est en Europe actuellement. Ok. Donc actuellement on est 5. Vous êtes 5 en ce moment. Oui. Et vous décidez d'aller vers les populations qui sont un peu reculées, dans les zones reculées. Oui, vu la situation du pays actuellement. Vous partez leur apporter de la joie. De la joie, bien sûr. Pourquoi vous décidez d'aller vers eux? Bon, avec la situation d'aujourd'hui, quand tu rentres en profondeur dans les villages, je peux dire que c'est ça même qui arrive même à les consoler un peu. Ok. Parce que bon... Tu es là, bon, avec les rumeurs, les gens, ils vont dire non. Et les éléments, là, ils sont passés ici il n'y a pas longtemps. Tout ça, tu es découragé. Mais bon, une fois, on dit que les DJ 2000 viennent dans un coin. C'est-à-dire, ils oublient en même temps. OK. Malgré, ils prennent des risques même pour quitter dans les villages voisins, pour venir s'enjailler, pour se faire de la joie et puis rentrer. Pour venir trembler. C'est eux qui vous invitent ou bien c'est vous-même qui allez vers eux? C'est eux qui nous invitent parce que, bon, on est dedans d'abord il y a longtemps. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Bon, ça fait 15 ans que moi, je suis dans le milieu DJ Mana. Je viens. Moi, il laisse rien passer. Je ne sais pas, Eric ou bien c'est Mathias, est-ce qu'on peut... On va zoomer. Il y a quelqu'un qui a tremblé, est-ce que ses chaussures ont tremblé? Ça, c'est parti. Prends la gauche. Ah, c'est pour qui? Bon, après l'émission, venez prendre. Hein? Après l'émission... C'est toi. Pause publicitaire. Savon Mana. Le meilleur des savons. Es-tu constamment fatigué par ta peau à l'air terne et rideuse? Les taches ou l'acné présentes sur ton visage t'effraient-ils toi-même? L'entreprise de Mana House met à ta disposition le savon Mana, l'ultime solution anti-taches, anti-acné et anti-âge que tu recherchais. Fait à base de collagène, de vitamine C et de lait de kojic pour les peaux noires et naturellement brunes. Disponible dans les parfumeries, les supermarchés, etc. Renseignements et commandes au 659 44 35 49. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.